Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Barreau Port-au-Prince organisé lundi à un marche pour réclamer justice pour mettre Montferrier d'Orval. Marche ça a démarré devant la Cour cassation pour être à bout dans rue Rivière devant cabinet bâtonnier qui mourit assassiné. Avocat yo ak l'autre monde qui t'a participé dans marche là pat met de l'eau dans bouche pour yo dénoncer crime 28 d'août là. Bâtonnier AIA met Marie Suzy Legault qui t'a délivré message final là, dénoncer indifférence autorité yo face à Zak assassinat ça ak divers autres crimes qui mettre dans pays a parmi eux assassinat étudiant l'école normale supérieure Grégory Saint-Hilaire. Maître Marie Suzy Legault dans micro Vladimir Maurice Ridoré à Mackinson Paul. Plusieurs militants dans l'opposition ont dénoncé assassinat jeune garçon dans la manifestation. Ils ont pris un courant pour déposer devant le palais national. Ils ont action la police pas quitté opposé, ont tiré à balles réelles et puis bombardé avec gaz lacrymogène. Ils ont arrestation faite pendant l'intervention. Quelques militants politiques parmi eux, ancien député Serge Jean-Louis, t'es dans le micro Joubert Joseph. Nous mettons tout le pays là, levez le café, pas prendre le temps pour nous finir avec des assassins. Planifié, parce que qui ont imaginé un étudiant qui n'a dans cette faculté la CAILI, sécurité peut vous garantir à 100% dans n'importe quel pays dans le monde. Non seulement au final assassiné, monsieur, qui ont barré à nez qui a tiré pour monsieur Paguette jouer un soin à l'hôpital malgré le dernier moment, monsieur Petit l'avait pas compris nos bagailles. Qui ça étudiant ne peut pas prendre parce que le moment n'a pas passé, monsieur, vous lui venez le monde. C'est pour ça. Parce que son régime qui parle au monde esprit, son régime qui parle au monde, comme si nous avons un monde qui formé. C'est ça, le régime ça symbolise, parce que symbolise la médiocrité. Nous même la boumé contre médiocrité. La boumé toute forme de justice qu'a fait dans la société. Nous habitons boumé, dans le niveau mon pote là, nous toujours prenons responsabilité à côté de peuple là. Nous continuons à prendre pour nous accompagner le peuple en dictée des revendications. Et les revendications, les principales revendications aujourd'hui de la population haïtienne. 1. Débat Jovenel Moïse. 2. Gouvernement de transition. 3. Procès Calvi avec toute autre forme de procès. 4. L'organisation de la conférence nationale souveraine. Mais que débat fait, la conversation souveraine pour dire n'a pas changé constitution, si nous voulons changer, ou bien n'a pas changé constitution. Aucune nation étrangère, aucune puissance étrangère soi-disant, pas qu'à dire non, comme si nous voulons, nous avons l'autre constitution. On a constitution pour ça. On a double mandat, on a constitution pour ça. On a l'enrichi tête, et bien ici, il est attaché à la constitution 1947 là. Oui, bah, nous finissons. Et peuple clair, sous démarche, peuple clair, sous salvelé, peuple a dit, livré au pays qui a fonctionné, livré au pays côté la justice. Si ce n'est pas vendre, livrer un pays côté toute décision à fonctionner. HTK, deuxième personne, il casse toute décision. Par le Parlement, pouvoir judiciaire d'ailleurs détruit ces mots-là. Pas le pouvoir exécutif non plus. Parce que au président dit ne pas te salver, au premier ministre dit ne pas te salver. Donc, non là. Il y a nous-mêmes, nous connaissons une résolution qui a pris en ce sens. Pas de façon. Comme si nous avons confirmé des antagonismes, les sacs à la bien sont éternels, parce que dans le nouvel après tribunal, ils relisaient la paix aux avocats qui sont des acteurs non équitables. Qui c'est qui est ça? La PIA qui va arriver, l'avocat qui va arriver dans le nouvel. C'est ça tout. Les avocats, de voir, ils ont entouré la délivrée, la bâtonnière a délivré le message que le tabac prétend à délivrer, et nous que la presse. La presse relayée discours, ça va le faire que
texte, on va le prouver que on demande, on a besoin de justice dans le pays. On demande un besoin de justice qui doit accoucher pour le développement durable, qui doit accoucher pour l'état de droit, et qui peut permettre que citoyens, citoyennes, dans certaines liberté, ou autre, même d'Asie, pour vivre dans le pays. On doit ajouter que. Nous toujours mal compris en Haïti. Jusqu'au dernier jour, on a dit politique, c'est rapport de force. Et là, nous dit politique, c'est rapport de force. Mais nous, je dis, mais ça force. Après des jours, amen. On comprend que les gens, ça toujours ici, et ça répète ça maintenant, que c'est la politique qui a touché le droit. Mais lorsqu'il a touché, eh bien, le droit saisit la police. Et là, la répété par vous encore. Si toi pas cassé pour la politique, à partir de ce moment nous tout mettre par tête nous retournerons ça avant encore, pour que n'importe qui nous fait ça rouler, et laisse ça, on va bien pas les aliments, on va bien ça pour ça qui est. Donc démocratie, c'est pas ça lié. Démocratie, c'est la liberté de parole, c'est la liberté d'expression, mais c'est aussi dans le contexte en palais, et surtout le principe du contradictoire. Cabaler, nous cabalons, même cabaler. C'est ça que nous voulons marcher. Situation sans pareil, ça a bâtonné à été obligé de faire discours de donné prononcé dans la cérémonie devant Barry la Cour cassation. Maître Marie Suzy Legault a gagné un groupe avocat qui était campé à lui avec bandrol et puis pour 4 nommés pour continuer à réclamer justice pour bâtonné capital là maintenant Ferrier d'Arval. Criminel était tourné à Kaïlou 28 dans l'autre pensée à Maître Marie Suzy Legault. Ils sont considérés par leur protection comme pire. Le vol du barreau devrait être immense de son couvre à l'apprentissage de l'éloquence. Pour lui, rien ne devait être étranger à l'avocat. La commission de la vie sociale culturelle et du sport recouvrait respectivement des activités de domicile, de dette sociale, de football et d'autres disciplines sportives. Ainsi, la coopération internationale demeure le domaine réservé du matériel, n'avait pas hésité à confier la présidence de la commission de coopération internationale à un membre de l'équipe. Va pouvoir revenir à de meilleurs résultats. La place de police de direction serait celle de coach, qui veut s'assurer du fonctionnement régulier et efficace des noces commissaires de le bâtonnier d'Orba, au moment de présenter les missions des membres de la commission scientifique à la cérémonie du mercredi 26, disait que le droit n'est pas seulement une technique, il y a aussi une science. En d'autres termes, il ne se perd pas. Il y a aussi réflexion, recherche, méthode. La dimension scientifique du droit n'échappe pas aux paroles de concours. La mission de cette commission peut être en cours de vrai à la progression et à la transformation du droit. Grâce à ces démarches, le rectorat a créé la chaire Montpellier-Orba. Les maîtrises en droit public, en droit privé, droit pénal et criminologie sont ajoutées au programme de l'Université d'État d'Haïti. Autrement préoccupé par la prolifération des décrets, droits du pouvoir exécutif, de très attentifs, de nombreuses critiques de quasiment tous les secteurs de la vie nationale, de l'Atelier d'Orval, en cherchant à faire appel de lumière des compétences du barreau. Ainsi, la commission avait respectivement travaillé sur les décrets droits, bordant sur le bail à l'usage des sociologues. C'est des tournures du droit, la préférence de l'anarchie, les citoyens en obligation de se réunir. Telle est l'information véhiculée à Confort, dans le préambule de la déclaration universelle des droits de l'homme, sous une matière essentielle, que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, que l'homme soit toujours à portée, un suprême ouvert, pour le vol contre la tyrannie et le pessimisme. Mesdames, Messieurs, le 26 août 2020, le bâtonnier Montpellier d'Orval est exécuté de sorte. Qu'est-ce qu'on lui a fait payer exactement? Les seuls mots qu'on lui donne, c'était son honnêteté, sa loyauté, sa transparence.
Sur le nom officiel pour marquer l'ouverture année judiciaire 2020-2021, avocat Pat Guédois pour être assisté, déroulant dans la Cour cassation en présence, président Jovenel Moïse, premier ministre de facto Joseph Jout, plus l'autre officiel. Dans le discours de fait dans circonstances-là, président de la Cour cassation, maître René Sylvestre, reconnaît année judiciaire 2019-2021 est difficile en pile, mais il fait qu'on est en pile et faut être fait pour être bas justiciable en justice. Cérémonie ça, c'est occasion pour différents acteurs de réfléchir sur les nouvelles responsabilités de chaque gagnant et puis prendre disposition pour gagner une plus bonne année judiciaire. Nous partons dans l'intervention de René Sylvestre, toujours dans le micro Vladimir Maurice Ribouré avec Mackinson Paul. Elle participe du symbolisme très puissant par lequel l'État, à travers l'un de ses pouvoirs, s'affine et confine aux citoyens et citoyens qui les présents pour le servir. Elle rappelle à toutes et à tous que la justice est un service public dont les travaux des différents acteurs doivent contribuer à rendre notre État beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace. Cette année, l'ouverture de la loi judiciaire nous invite tous à réfléchir sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Elle nous offre cette belle occasion de nous interroger sur le statut de l'avenir des professions judiciaires. Magistrats assis et debout, greffiers, commis-parquets, huissier, avocat, auteur, apporteur et expert judiciaire. Ces professions ne sont-elles pas appelées à se moderniser pour se mettre au diapason des nouvelles exigences de la société haïtienne en pleine crise de mutation et des défis de la mondialisation? Les sacrifices à consentir étaient humains, exigent des actions collectives au-delà des intérêts individuels ou des groupuscules. Si on s'attarde à livrer ces combats dignes d'authentiques haïtiens, on risque à tous de périr ou de se voir viscéralement collés de la tutelle. Mais, rappelez-vous, chers sœurs et frères, dans la patrie bénédicte, que nos conseils de famille ne donnent pas toujours à l'incapable le tuteur dont il mérite et qui a la volonté de contribuer à son bien-être à sa pleine émancipation. En cette journée, chaque professionnel du droit doit se livrer à un examen de conscience en vue de déterminer son degré de culpabilité dans le mauvais fonctionnement du système judiciaire. Je vous invite à cet exercice pour comptabiliser le nombre de fois que vous avez péché, soit par action ou omission, soit par excès, par lâcheté ou par votre silence complice. À côté des professionnels du droit, qui sont les premiers responsables de toutes les accusations dont la justice fait l'objet, ne peut-on pas aussi rechercher la responsabilité de l'affaiblissement du système judiciaire et le comportement des membres des autres pouvoirs de l'État, de plusieurs secteurs de la société civile, de certaines institutions internationales ou de beaucoup de justiciables? Je vous convie tous à faire un sincère mea culpa, à prouver la ferme résolution de divorcer avec certaines pratiques anti-citoyennes et commencer cette nouvelle année sur de nouvelles bases. Mesdames, Messieurs, l'année judiciaire 2019-2020 a été très compliquée. On ne peut pas oublier que l'accès à la Cour de cassation était impossible à cause des scènes de violence qui accompagnaient la manifestation de certains secteurs de la société au champ de mars en octobre 2019. Presque toutes les communes de la zone métropolitaine étaient en feu. Le bruit de vitres de voitures et l'attaque des entreprises étaient menées courantes. La population du Mali a grande gorgée la fumée dégagée par les pneus enflammés. Devant ce triste constat, la Cour de cassation a dû annuler l'audience d'ouverture des travaux judiciaires. Le président de la Cour faisait office du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. S'était contenté de lancer les travaux judiciaires de l'année 2019-2020 dans un message diffusé à la presse et à travers les groupes WhatsApp de magistrats. Cette situation marquée par des manifestations de rue et des revendications de toutes sortes et malgré de violence semblait être le mot des Haïtiens tout au long de l'année, la dernière année judiciaire. Maître René Sylvestre, condamné à une autre part,
Zak assassinat qui fait sous plaisir à tel système judiciaire tant qu'au juge, substitut commissaire gouvernement, greffier et bâtonnier. L'autre avocat pour tout prince là maintenant Ferré Dorval pendant l'année judiciaire 2019-2020. Président de la Cour cassation a demandé pour les dispositions qu'il prend pour famille Mounsaïe jouer une justice et puis lancer un appel par autorité concernée pour le suspendre parler, poser action plutôt pour le combat de bandits. Et une autre fois encore, maître René Sylvestre. En ce moment, nous avons une pensée spéciale pour l'honorable magistrat, Stéphane Bellevue, qui nous a quittés trop tôt. Le juge de paix suppléant de Gantier, Roussius, assassiné le 7 janvier 2020 à Tabar 72. Le substitut commissaire du gouvernement, du parquet près du tribunal de connaissance de Beauvrance, le magistrat Fritz Gérald Chérissier, assassiné le 19 juin 2020. Alors qu'il revenait de son travail et pour mettre le Monseigneur d'Aval, l'atelier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, assassiné chez lui, à Père de Saint, dans la nuit du 18 août 2020. Nous estimons qu'il est urgent que l'État prenne la mesure qui s'impose et se donne les moyens nécessaires en vue de contre-étarrer la bandit qui sème le deuil dans la famille haïtienne. On doit dépasser la frontière des discours pour poser des actes tendants à rassurer les citoyens et traquer les hors-la-loi. On doit, grâce à l'efficacité d'un véritable service d'intelligence, être proactif en vue de cesser de jouer le rôle des services de pompiers qui arrivent sur votre foi trop tard. L'appareil judiciaire est une nouvelle fois interpellé. Il doit trouver les auteurs de ces infractions, les poursuivre et les juger. Ces demandes sont exprimées à travers de nombreuses voies, tant sur le plan national qu'international. Elles ont logiquement demandé à la justice de faire son travail jusqu'au bout. Elles ont diversement exprimé leur ras-le-bol contre des enquêtes cosmétiques qui ne touchent pas le fond du pied de l'insécurité. Face à des crimes crapuleux qui atteignent l'âme de la nation, les instructions préparatoires vont permettre de comprendre exactement ce qui s'était passé dans la commission de plusieurs crimes. La justice doit demeurer dans notre République cette femme aux yeux bandés qui prononce le mot du droit est dépendamment de l'origine sociale, du degré de fortune et de la position politique et justiciable. Elle doit, en tout temps, refuser de s'ériger en toile d'araignée qui se contente à laisser passer les grands points où on a été impitoyablement les petites. La communauté des juristes et avocats, les professeurs et étudiants de nos universités, les citoyens et citoyennes de la République ont soif de savoir et de voir poursuivre en justice, les donneurs d'ordre, les planificateurs et les exécutants. La justice et la sécurité publique, gouvernement de facto, M. Ophélien Vincent, qui déprend la parole en cérémonie, renouvelé l'engagement exécutif là pour accompagner l'acteur système judiciaire et puis le rappeler au service public qui relève la justice là par Louis Campé. Le gouvernement a pris une mission pour la justice fonctionner plus bien, faut que CSPJ prenne le même engagement, toujours selon M. Ophélien Vincent. Quand la justice est mise à l'épreuve, c'est la nation qui en pâtit. Quand la justice est mise à genoux, ce sont les fondements de la République qui s'en trouvent fissurés. Si son instauration et son fonctionnement régulier élèvent une nation, tout en garantissant sa pérennisation, il n'en demeure pas moins que sa banalisation et sa dénaturation crevassent les bases substantielles de notre vivre ensemble. La justice est pour la nation ce que l'oxygène représente pour l'existence humaine. Plus que le respect du protocole républicain, je crois fermement que la présence aujourd'hui de
les représentants des lignes structurantes du pays témoignent de cette volonté intrinsèque d'harmoniser nos forces pour contribuer à ce nécessaire renforcement du système judiciaire dans la perspective d'une année non réussie que la dernière. Il est un fait indéniable que l'année judiciaire écoulée n'a pas du tout vogué dans un fleuve tranquille. Elle était émaillée de perturbations de toutes sortes. Elle a dû faire face à la rigueur impitoyable de cette redoutable pandémie du Covid-19 qui met en cause la communauté planétaire à genoux. À cette phase, il y a lieu de saluer les efforts absolument remarquables et incontestables du gouvernement de la République avec comme maître à penser son excellent Jovenel Moïse qui a su gérer avec maestria aux côtés du Premier ministre et virtuosité cette crise sanitaire et sauver conséquemment des centaines de milliers de vies. Pour la continuité sans interruption du service public de la justice, il est venu le temps de reprendre le boulot. J'aborde, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, cette année judiciaire avec une détermination sans fin. Laquelle détermination me pousse à lancer un appel à responsabilité à tout un chacun. L'exécutif s'engage à remplir sa partition. Je demande donc au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de jouer la sienne. Cette entente interinstitutionnelle est indispensable à une bonne administration de la justice. L'unité doit être accordée en tout temps au judiciaire. Leur droit d'accéder à la justice ne doit être plus banalisé, car il s'agit d'un droit fondamental. Leur droit, je le répète, à la justice ne peut plus être banalisé, car il s'agit d'un droit fondamental. Ancien Premier ministre et puis avocat Jean-Henri Seyon, qui était assisté à la cérémonie de l'ouverture tribunale, est obligé de quitter à cause du pas de quitter l'avocat et rentrer. Il dénonçait cette passée-là et puis a souligné l'ouverture année judiciaire, c'est pour avocat, le maître Jean-Henri Seyon. Normalement, c'est l'ouverture des tribunaux, l'ouverture des tribunaux, c'est pour les avocats. Et l'interdit, c'est l'avocat est rentré là. C'est que nous, on a des petits avocats aussi. Bon, évidemment, c'est dans une place officielle, mais aujourd'hui, je suis plutôt avocat. C'est ça que nous disons de là. Ok, et on est là, on a eu galère par lequel on est venu. On est allé dans une vie, sans que c'est pas nous, c'est la femme, nous, que l'on cherche, pour nous fonctionner. C'est là, on cherche avec l'avocat, je sais. C'est pas normal, c'est avocat venu. L'ouverture de la tribune était bien. Et est-ce que ça a dit que je fais avec une situation comme ça? La première fois, les avocats sont toujours là. Les avocats. C'est plus les avocats qui ont fait la tribune. Vous voulez vous faire le travail qui va le vivre. C'est pas grand chose. Vous voulez vous faire le chapeau. Ils sont en premier ministre. C'est pas notre avocat. Ils sont en politique. Qui est l'interprétation politique à l'issue de la tribune? Vous voulez dire que c'est un avocat. C'est un juriste qui est l'interprétation. Non, vous même pensez que ça a démontré le malaise qui est entre les différents pouvoirs et ça a démontré tout. Mais nous avons sûr qu'a fait le problème de ce pays. Là, je dis là, ça va dérider du tout par rapport au siècle du Niger. Je dis à tout le monde, il est compris, c'est une ouverture très particulière, le moment très difficile, qui peut nous préparer pour préparer ça qui est là. Ça qui est là, il va belle, il va belle pour nous, il va belle pour personne. Tu vois, et nous comprenons l'avocat, l'ouverture de la tribunée des avocats, pour la dire rentrer. Il y a effectivement les officiers, tu vois, c'est le menu. C'est un gros balai symbolique, tu vois. Mais le c'est style et d'addiction, ça veut dire qu'on comprend que l'avocat est refusé à assister à ce ministère. Comment tu nous fais une justice, que les officiels, que les autorités, que
prendre leur responsabilité en main pour pas quitter deux rues en fait. Là, c'est pas nécessaire pour nous dégager ça à Matoum. C'est tellement simple que nous organiser un fil de tribunaux, ouverture de tribunaux, après la mort de notre moral. Il fallait au contraire présenter la chose de telle sorte pour cette concept de réconciliation qui a été faite entre le pouvoir judiciaire. Matrice Libération par un parti politique. D'après précision, ancien sénateur Antonio Cherami alias Don Gato, à la tête organisation en poté. Ancien parlementaire opposition a démenti campagne, l'édicap fait sur réseau social comme quoi l'État a lancé un nouveau parti politique week-end passé. C'est pouvoir PHTK avec Aliel qui a formé l'autre parti politique qui a fait manœuvre pour dénigrer le mouvement, d'après ancien sénateur Antonio Cherami qui était dans Mikou qui tient Jean-Pierre Taylor. Effectivement, nous gagnons Matrice et Libération qui c'est un mouvement sociopolitique, mais qui pas un parti politique. Moi, m'a dit noir sur blanc, Matrice Libération pas un parti politique. Au contraire, en dans Matrice Libération, nous gagnons membres différents partis politiques. Par exemple, en dans Matrice Libération, il y a différents membres, il y a plusieurs membres bourrades, nous gagnons membres assou, nous gagnons membres pour Haïti, nous gagnons membres. Nous voulons vivre, nous avons différents autres organisations, tout, dirigeants l'autre organisation combatifs qui en dedans et Matrice. Qui s'en est organisé pendant le week-end? Ça s'en est fait? Est-ce que nous lançons le mouvement ça déjà? Non, nous n'avons pas de fanier pour semaine ça. Matrice n'a pas fanier. Au contraire, c'est ça qui vraiment étonné nous. Nous avons un an depuis d'avoir réfléchi ensemble. Nous avons un an depuis nous avons un groupe qui a différentes tendances. Matrice là. Un paquet de tête bien faite là-dedans. Un paquet de tête bien faite. C'est une question de cadeau. Matrice pas cadeau. De Matrice, on a vu un pile professeur dans l'université avec là-dedans. On a vu une diaspora là-dedans. On a vu une différent chef de l'autre parti en dedans Matrice. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à réduire avec cadeau. Nous pouvons jamais faire un public. Seul ça nous fait, c'est si qu'on mouvement, nous demandons tout le monde, nous disons, monsieur, là, c'est pas tout, nous parlons mouvement. Mais nous pouvons jamais faire un public, nous devons même enregistrer, nous pas enregistrer Matrice aucun côté. Ça veut dire, monsieur PHTK, ou même qui finit pour échec dans le comportement de la société. Jodi, il a créé un paquet de sympathies, mais dans les temps de sympathies, il a cherché des noms où une population fait crédit pour mettre, pour qu'à dire que n'a pas créé un bon sympathie. Non. Matrice là plus que ça. Et nous rassembler en pile l'autre partie en train de nous une foule pour nous arriver à coucher. Parce que lorsque dans Matrice, on va coucher. Et si on va pas coucher, c'est ça qui est dedans, c'est ça nous cuite là, c'est ça nous prépare. C'est là, nous y est. Mais nous pas fait lancement, nous pas fait rassemblement pour membres nous. Pour membres Matrice qui n'a ville provinciaux. Nous tout dit ça, je dis, il n'y a pas gagné qui fait. Nan non Matrice, pour que j'aime gagner qui fait dans nos Matrice, pour si ciseaux qui s'écraser ou t'as écrasé des matchs noirs, des matchs tête ensemble noirs, pour nous pas arriver nan parti ça. Matrice, pas un parti politique, mais plutôt un vaste mouvement côté bien différents groupes monde qui mettent tête ensemble pour nous voir comment nous carrer, pour nous agir ensemble, comment pour nous capables ensemble mettre deux systèmes pesés sous ces ça que tout peut pas ici arriver, mais ta tête. Plateforme syndicat enseignant, Capliteo, UNOE, CNEH, UNO, JL, LINE, RIE, ANI, célébrer journée mondiale enseignant et enseignante à travers une conférence débat qui déroulait dans l'hôtel New Plaza sous thème enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir. Secrétaire général, CNEH, La Rose, Thérèse, Magali, Georges, déclaré activité ça, c'est une occasion pour enseignants de réfléchir sous conditions fonctionnement qui difficile. Coordonnateur général, UNO, à professeur Josué Mérilien, dans ces situations difficiles côté enseignant yo commémorer journée mondiale ça syndicaliste là critiquer gouvernement il dit qu'il pas bail éducation aucune importance il en l'autre pas à la tête une loi dénoncer la mort étudiant Grégory Saint-Hilaire vendredi 2 octobre là une après l'autre Rose Thérèse Magali Georges et Josué Mérilien aujourd'hui c'est journée mondiale enseignant et tellement c'est enseignant, excusez-moi, leader en temps de crise et passionné d'avenir. Donc justement, Haïti en crise, et c'est l'occasion pour enseignants de montrer leadership pour faire payer à soutien en crise. Payer en crise parce que nous faisons pas qu'un temps, nous ne pouvons jamais investir assez dans l'éducation, nous ne pouvons pas investir dans la formation jeune, et aujourd'hui, nous venons un pays qui s'en repère.
Parce que l'homme et des mondes qui tapent, pas captifs, façonneur d'avenir, c'est des échecs. Si on sait en son échec, on ne peut pas dire que tout le monde faut aller à l'école pour apprendre l'école. Donc c'est peut-être sa réflexion, ça je veux dire. C'est une réflexion pour nous, vraiment, et quand on se enseignant devant le public là, pour aller inacceptable. Enseignant à travailler dans les conditions de travail en Haïti. Et ceci n'a pas parlé ni enseignant dans le secteur public, ni enseignant dans le secteur privé. Si bon cause nous qui sommes enseignants dans le secteur public, parce que nous-mêmes, nous avons quand même une loi et une fonction publique là, qui nous a dit que pour nous, nous avons fait des activités, nous avons syndiqué, nous avons boumé à l'État, mais enseignant dans le secteur privé d'éducation, conditions de travail inacceptables. Et après, année ça, par exemple, il y a des professeurs qui ont quitté le métier parce que le pays ne peut pas toucher. Et crise Covid n'a pas touché, il y a des gens qui forcent les enseignants à signer des contrats pour dire renoncer à salaire pour qu'ils aient un job pour l'année prochaine. C'est des conditions inacceptables de travail et c'est ça la peine. 5 octobre, c'est l'occasion pour nous dire revendication des enseignants n'est pas pour nous seulement. C'est un secteur, les revendiqués retombent, c'est pour la nation. De meilleures conditions de travail, plaisir. Qui ça c'est vrai que le professeur est d'accord pour le travail bien loin dans le monde, pour la haute qualité à partir de nous. Ça veut dire que le professeur est d'accord pour faire des notre travail qui part en présentiel de votre cours. Parce que le travail professeur n'est pas seulement dans le ça. Le travail professeur c'est préparer cours qui prend des heures avant de venir dans le ça. C'est tout corriger, copier pour l'évaluer, est-ce que tu nous comprends. C'est tout modèle que nous représenter dans la communauté de la ville. Parce que tout en disant, il faut un millimètre de bien-être pour pratiquer la vertu. L'enseignant n'a pas plaidé rien. L'enseignant son échec devant le monde qui a regardé, c'est décourager Timonio. Et on pense spécialement pour l'enseignant qui forme mieux. Parce que on a parlé de problèmes d'équité dans le système éducatif. On a parlé de mon accès de politique dans l'école. Nous, pour les réformes qui a joué le rôle correctement, inciter le monde qui est réticence, surtout dans le milieu loin, dans le monde. Faites la division et tu donc, et je demande à l'enseignant, c'est surtout ça, la promesse et dans le contexte, nous sommes dans le contexte anti-démocratique, bon, attaque à la démocratie, attaque à la liberté syndicale, attaque à la liberté d'association, persécution syndicale. Donc, et nous disons là, nous ne pouvons pas baisser là, nous continuons la bataille jusqu'à ce que le pays a remis l'éducation de renseignement, jusqu'à ce que la démocratie, parce que nous ne sommes pas du tout, nous connaissons pour exercer le métier, nous commençons correctement avec la liberté académique qu'il faut, pour exercer le rôle nous comme syndicalistes, comme pays de droit, comme la démocratie, ça fait bataille nous, tout marié avec la bataille de la démocratie, bataille pour nous. Bon, 5 octobre, bon histoire. 5 octobre, c'est journée qui choisit pour mettre en honneur pour le professeur enseignant là, pour honorer enseignants qui font un travail inestimable dans la société, chaque société. 5 octobre, c'est journée choisie pour rappeler dans quelles conditions ce travail nécessite pour que le pouvoir public accompagne pour faire un job ça, qui est un job qui est difficile. Le philosophe allemand que les cotes et qu'on livre qui relève réflexion sur l'éducation. Il y a deux jobs qui sont difficiles, plus délicats, c'est le job gouverner et le job éduquer. Donc pour ça faire un job qui est plus difficile là et dans des conditions vraiment difficiles. C'est chaque octobre, nous disons que c'est l'occasion pour nous honorer les enseignants, c'est l'occasion pour nous rappeler que les conditions difficiles dans lesquelles elles travaillent, c'est rappeler pour demander l'État, pour l'État accompagner pour faire un job difficile là. En Haïti, je le dis, alors de partout dans le monde, je le dis, professeur en honneur, il y a un professeur. Mais en Haïti, nous une situation particulièrement difficile et nous avons commémoré la journée mondiale enseignant dans une situation côté ces professeurs qui ont méprisé, on les honoré. Côté nous avons un gouvernement de dictateurs, de corrompus qui n'a pas d'éducation rien pour eux et qui n'a pas fait répression. Faire intimidation professeur, ouais, c'est professeur syndicaliste qui a voyé comme bien loin et le travail. C'est l'idée syndicale qui a révoqué, qui a voyé mandat d'arrestation et bayo. Donc ce sont situations compliquées. Côté, il a dit, professeur, pas situation pour fêter, mais il a réfléchi
sous le pays, côté nous avons un pouvoir gang qui fait pays à tourner en champ gang. Et nous avons fait comme une ça, nous avons une situation terrible. Côté pays n'a pas jamais tombé dans notre histoire. Avec deux mounes qui parlent en place et qui pas gagné d'adi grâce souci pour nous qui répondent à un problème pays et problème d'éducation en particulier. Et nous, ça qui passé comme le mal. Et 2 octobre là, côté Jovenel, Agenor et tout le reste équipe assassinée, voyait aux équipes gang habillés policiers et la commune publique, prêté du droit, Dimitri Erard, yon chef gang qui a fait crime pour Jovenel et yon fait Gélebun qui dit ouais, que c'est monsieur tiré. Et dans ce sens, nous profitons jour et jour pour dire, faut inspection générale, relève Dimitri Erard avec toute notre équipe assassinée avec lui, puis ma citation. 2, nous voyons. Nous demandons retrait pur et simple toutes les mesures répressives et nous avons un mandat d'arrestation que nous avons contre plusieurs leaders des syndicats de nous-mêmes. Et nous demandons tout à maître Bella Civil, M. Ticamel, qui a dit faire une responsabilité, pour dire le bon du droit. Parce que nous avons demandé dans le meilleur que un régime criminel commandé justement pour persécuter et intimider. Donc nous avons une responsabilité. Pour prendre responsabilité des citoyens pour que vous dites le bon droit et casser le bon le plus que possible. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous. Son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.